Est-ce que la connaissance de soi est une discipline? Est-ce que cette discipline peut être acquérie? Et comment acquiert-on cette discipline? La plupart d'entre nous, ce que nous sommes dans la distraction. Nous regardons les choses que la pensée propose. Nous sommes envahis de pensées qui nous subjuguent et qui nous dictent ce que nous devrions être. Alors, à ce moment-là, l'esprit est omnibulé par ce qu'il aimerait devenir. Parce que nous nous sommes identifiés à ces pensées. Et quand il y a identification aux pensées, il y a distraction de l'esprit. Et toute la discipline est là, de voir comment faire pour ne pas être distrait. C'est-à-dire, avoir un esprit aux aguets pour ne jamais être embarqué par aucune situation que les pensées proposent. Parce que la pensée, elle nous donne des voies, elle nous donne un chemin à suivre, un programme. La pensée, c'est une propagande de ce que nous avons appris et on l'exécute. Et quand on exécute tout ce programme, en fait, toute l'énergie que l'on a pour pouvoir voir ce qui se passe en soi est dissipée. Donc, discipline veut dire reprendre l'énergie, trouver le moyen pour ne pas être distrait, avoir l'esprit aux aguets, être dans une diligence constante pour faire en sorte que toute l'énergie se rassemble pour aller voir ce qui se joue sans être distrait par ce que l'on aimerait voir. Parce que quand tu vois ce qui se joue et que tu n'aimes pas, alors tu voudrais voir ce que tu aimerais voir. Et la plupart d'entre nous, on se crée comme ça une image de soi, parce que ce que nous sommes, ce que nous découvrons dans la connaissance de soi, c'est quelque chose que nous ne voulons pour la plupart ne pas voir, mais on veut justement arranger pour que ce soit agréable au regard des autres. Mais le regard des autres, c'est quelque chose qui fait que tu dissipes ton énergie dans comment leur faire plaisir. Donc tu n'es plus disciple, tu n'es plus discipliné, tu n'es plus celui qui est aux aguets de tout ce qui se joue. Donc tu es distrait. Et il faut bien comprendre que ce que nous sommes pour la plupart, c'est une distraction. Nos pensées sont la distraction. Et comme on est identifié à ces pensées-là, alors nous sommes distraits par ce que le monde propose. Le monde te dit comment tu devrais être. Le monde te dit que tu dois réussir pour devenir quelqu'un. Donc, ce soi que tu es n'est pas connu parce que tu voudrais esquiver la présence de ce soi pour devenir ce que on te propose d'être. Mais ce que tu seras, sera une illusion qui n'existe pas. C'est une fabrication de comment on a fait en sorte que tu existes dans un monde où c'est le regard des autres, c'est la norme établie qui dirige cet état d'esprit. Parce que nous sommes tous programmés pour vivre ainsi dans une société où on sera accepté des autres. Et si on n'est pas accepté des autres et qu'on n'est pas de la reconnaissance d'être ce que les autres veulent voir, alors nous sommes très nerveux. Alors à ce moment-là, nous voulons être ce que les autres voudraient voir.
et nous passons notre vie à plaire, et en fait, on ne découvre pas qui on est. Mais découvrir qui tu es demande un esprit aux aguets de tout ce que la pensée propose. Et la pensée t'embarque, la pensée t'enrôle dans des schémas de pensée qui te dictent comment tu dois être. Et en fait, on obéit à cela. On est soumis à la pensée parce qu'on est la pensée. La pensée, on s'est identifié à elle. Et donc, on croit que c'est ce qu'il faut faire. Mais réfléchis bien avec moi. La pensée, c'est quoi? La pensée, c'est quelque chose qui vient de ce que on a vécu et on a fait des conclusions, on a acquis des conclusions et on les répète. Et tout ce qui se réitère de la mémoire de tout ton vécu, ce sont des pensées. Les pensées sortent de la mémoire pour s'exprimer. Elles s'expriment en termes de ce que tout ce qui s'est passé et que tu veux remettre sur la table. Et quand tu le remets sur la table, tu regardes, tu concoctes un peu et tu envoies tout ça dans l'espoir. Donc la pensée, c'est un processus de ce que tu étais et que tu veux faire encore exister. Mais ce que tu es est à découvrir maintenant, pas ce que tu étais, pas le vécu que tu as eu. Tout ce qui a été fait, c'est fini, c'est mort. Et ce qui est vivant là maintenant, c'est justement ce que tu laisses être, mais pas ce que tu voudrais être. La plupart d'entre nous cherchent dans ce monde à se faire valoir en se donnant un rôle, en disant que moi je suis président, moi je suis un homme, une femme, et parent, et on agit de cette manière. Et quand on agit avec un rôle, quel que soit le rôle, ça devient arrogant. Il y a de l'arrogance envers soi-même parce qu'on se prend pour quelqu'un qui n'est pas celui-là. Ce que tu es n'a rien à voir avec un rôle. Ce personnage que tu as construit pour pouvoir exister dans la norme établie, c'est un rôle. C'est un rôle que tu joues, mais ce personnage n'a rien à voir avec quelque chose de vrai. Ce personnage est inventé. Il est inventé pour la circonstance. Donc, on s'habille de l'habit qui plaît et on établit nos relations avec ces attitudes. Et dans la relation, eh ben, il y en a qui viendront nous applaudir parce qu'ils veulent aussi être ce que tu es. Ou ils viendront te déplaudir, t'humilier, parce qu'ils ne veulent pas que tu sois comme ça. Donc, on vit dans un monde où on a des conclusions. Et tout le monde regarde midi à sa porte, et tout le monde juge. Et quand on juge, soit on accueille, ou soit on rejette. Et ce que tu es, en fait, l'image que tu te donnes, c'est justement ce soi que tu as voulu faire en sorte que les autres voient. Parce que tu as toute une expérience liée à toi, et donc tu voudrais faire voir aux autres ce que tu es devenu. Et c'est là qu'il n'y a plus de discipline, parce que tu es embarqué dans la distraction d'être ce que tu n'es pas. L'esprit est acculé, l'esprit est blasé dans la routine de ce que le monde a fait de lui, de ce que toutes les pensées, toute la propagande t'as demandé d'être, mais tu n'es pas cela. Donc il te faut vraiment cette discipline, être aux aguets de toutes ces pensées qui viennent et qui te dirigent, qui te mènent par le bout du nez. Ton pire ennemi, c'est toi-même. Tu es celui qui ne donne pas la possibilité. Tu es celui qui dissipe l'énergie.
tu es celui qui n'est pas discipliné parce que tu es distrait avec ce que tu te proposes à toi-même. Et c'est rentré dans les mœurs. Tout le monde te dit comment tu dois devenir. Tu dois réussir. Mais en fait, ce que tu es devenu, ce n'est que l'image de ce que tu aimerais être, mais ce que tu es. Il faut que tu te penches sur cette question parce que ce que tu es n'a rien à voir avec ce que tu peux penser. Tout ce qu'on peut penser, de toutes les pensées qui existent sur la planète Terre, ne te dira pas vraiment qui tu es. Parce que ce que tu es, c'est quelque chose qui se vit d'instant en instant. Et cette découverte d'instant en instant fait qu'il y a une transformation constante aussi qui se fait. Parce que tu t'aperçois que ce que tu es est faux. Et quand tu t'aperçois ça, il y a un changement. Et nous sommes tous dans le processus de changement constant parce que nous voyons les anomalies, nous voyons l'illusion. Donc on se donne l'occasion de changer la donne. Parce que c'est ce qui se passe quand on fait cette connaissance de soi. Et pour faire cette connaissance de soi, justement, tu as besoin d'être concentré sur ce qui se joue. Être attentif, être observateur pour ne manquer rien de ce qui se joue. Et dans cette observation, alors, il y aura une perception de ce que tu es. Et cette perception changera la donne parce que tu n'as pas été distrait. Et cette discipline-là, pour ne pas être distrait, c'est quelque chose que tu peux apprendre à faire en essayant de trouver le calme au fond de toi. Parce que dans ce calme, dans cette paix intérieure, quand tu es libre de tout ce que la pensée propose, alors il y a toute la faculté pour découvrir, parce que tu as l'énergie, tu as concentré ton énergie, et cette énergie qui n'est pas distraite par ce que la pensée propose, cette énergie, alors, est tout à ton avantage pour pouvoir en fait explorer ce qui se passe. Et ce que tu es, le soi que nous sommes, c'est quelque chose qui a été dérangé par toute la propagande de l'histoire de la race humaine. Et nous devons faire de l'ordre. Faire de l'ordre en soi. C'est-à-dire ne pas croire que tout le désordre qu'il y a, la dualité, tous ces problèmes que nous avons sur la planète Terre, ça vient de soi. Et soi doit être mis en ordre. Et l'ordre, quand l'ordre est là, il y a l'harmonie dans l'esprit. Il n'y a plus la dualité. Alors, les relations changent. Il y a dans la relation une union, quelque chose qui se connecte avec les uns et les autres. C'est un lien qui est incassable, qui a jamais été cassé, mais que nous avons fait en sorte, par l'illusion, qu'il soit séparable. Mais ce lien ne peut pas être séparé par aucune chose sur la planète, parce que c'est ainsi. C'est ainsi, nous sommes ainsi, nous sommes liés les uns les autres par un lien qui nous unit. Et ce lien ne peut pas être cassé. Nous sommes un. Nous sommes le tout. Et ce tout est indissociable. C'est seulement dans la distraction qu'on se raconte des histoires, que cet état d'esprit où nous sommes un seul est dissocié. Nous le croyons. Nous agissons pour ne plus être dans ce lien. Et c'est le problème de la race humaine, c'est que en faisant ça, en se divisant, on se retrouve dans la dualité, on se retrouve dans la rivalité,
Et au bout de tout ça, il y a les guerres que nous connaissons tout un chacun dans ce monde. Et ces guerres nous pourrissent la vie. Ces guerres nous empêchent de nous rassembler l'énergie parce qu'on est distrait par ce qui se passe. Et ce qui se passe nous encombre. Et tout ce qui nous encombre, ce sont nos pensées qui passent du coq à l'âne. Et tout notre passé que nous avons acquis est quelque chose qu'on doit peut-être abandonner pour laisser le présent, tout ce qui arrive là maintenant, dans l'instant où tout se vit, pour tout ce qui arrive soit présent, soit vécu d'une manière où il n'y a pas de distraction vers ce qui a été vécu et ce qui devrait être vécu. Donc, vive l'instant. Et c'est là où se trouve toute l'intelligence de l'être humain. Une intelligence qui ne peut pas faire défaut. Une intelligence qui ordonne, qui harmonise, qui crée l'union, qui crée la joie, l'amour et qui crée des relations saines sans la distraction. Voilà toute la discipline pour se retrouver soi. Pour ne pas être distrait dans ce regard sur soi. Parce que soi a fait un monde à l'extérieur de sa peau et nous sommes subjugués par ce monde que nous avons construit. Mais tout se passe à l'intérieur. Et pour ça, il te faut être concentré, il te faut être discipliné et ne pas être distrait. Parce que la distraction, c'est quand tu n'es pas attentif. Si tu es attentif à tout ce qui se passe, alors tu ne seras pas distrait par ce que tu aimerais voir. À bientôt.